3, 2, 1, go. 3! Oh merde! Bah oui, j'ai sauté. Ouais, t'as sauté 3 heures plus tard. Mon cerveau, il était en train de dire à mon corps de sauter. Putain, tu devais te ramener à 3! Oui, putain, 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 on y va! Non, à 3! On fait toujours à 3! Non, pas toujours! Mais il m'a mis un coup de crush! Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Aujourd'hui on va se retrouver pour une modification de la classe de la M13, vous savez qui est un des meilleurs fusils d'assaut avec l'agro et la M4. J'ai un peu changé ma classe et je me suis dit allez, on va en partager. Du coup c'était vraiment le moment idéal de vous proposer ça. En plus on va se retrouver pour un top 1 20 kills, mais franchement la game à la fin elle est totalement insane avec Napo, ce qu'il va faire, et également Jackie. Donc également je mettrai leur chaîne en description parce que j'étais avec Punkill, Napo et Jackie, et on est pour un plus de 20 kills solo. Donc qu'est-ce que t'attends? Lâche ton gros pouce bleu mon pote, c'est le moment. 1200 likes en moins de 24 heures, je sens que vous êtes super actifs en ce moment sur la chaîne et ça me fait franchement grave plaisir. Merci infiniment à toutes les personnes. On sera demain en live sur Twitch concernant la saison 4, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce qu'on va découvrir tout cela ensemble, les nouvelles armes, les nouvelles classes, etc. On va vraiment faire un gros truc. Et dernier petit point, n'oubliez pas que jeudi 11 juin à 22h, il y a la conférence PlayStation 5, et oui c'est assez important, et je serai en live sous YouTube, donc soyez présents, on va parler de tout ça, il y aura les nouveaux jeux et évidemment le prochain Call of Duty. Et surtout le dernier point, bah n'oublie pas de t'abonner mon bro, n'oublie pas de t'abonner, on est là, viens rejoindre la tryhard army mon pote, on est des putains de tryhard ici. Je crois que j'ai arrêté avec les injures parce que sinon je vais être démonétisé, enfin bref. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve après pour la conception de la classe. Oh là là, la conception, Seigneur Dieu. Eh Story, j'ai tout le monde bien en votre fit. Comme ça on prend la caisse. Je propose déjà qu'on a tué les autres là. Mais les mecs concessions là surtout là. Attends Octet, je t'accompagne. Ouais mec, je l'ai fumé eux. Tu vois le mec au milieu de la route là? Vas-y, cherche pas, cherche pas. T'as du shield, tu peux me dropper 3 shields s'il te plaît frérot? J'ai pas le temps de passer devant tes plaques. Ah putain. Comment ça? Attends. Là. On nous a vu lui hein. À terre. Putain, ta grand-mère, j'ai pris la phase. T'as plus la merde. Pas de kit, je prends la caisse si tu veux. Je t'ai drop moi du shield, il m'a droppé un shield Sora. Non. Il est one shot. Donc là t'es détestable. T'es détestable. Mais quoi? Tu m'as droppé un shield. Espèce de rapace que t'es quoi. Putain, t'as 5 shields en poche et t'arrives, allez hop, un shield pour Jakir, j'en ai 0. Ils sont l'autre, non, les autres sont là-bas, les autres sont là-bas. Une un sur moi, une un sur moi. Ici. Armure brisée, armure brisée. Oh mais comment ça se fait que je le vois pas? La terre. Non. Il y en a encore un, il y en a encore un. Il y en a un là-bas, au fond. T'es en préhabitation. Bah j'ai cru que je t'en avais envoyé deux, Shaki. Je te jure, j'ai cru en avoir envoyé deux. Tu m'en as envoyé une seule, tu m'as laissé dans la panade alors que j'avais 0 plaque. C'est tout ce que je retiens. Un black card à cause de l'octet. Un. Attends. Les deux sont mis, les deux sont mis. Putain. Putain, mais j'ai pas le kill. Le drapeau. Ok, let's go. Ok, moi je vais prendre quoi? M13. Si vous voulez acheter un drone les gars, ma moulagaya elle est là, c'est ce que vous voulez avec. On a pas assez je crois. Ah si, avec Napo. Si si hein. Moi je suis full black hein, c'est toi qui vois. Non je vais prendre tu sais le drone. Vas-y, moi j'ai un drone là. Vas-y balance. Ah non, le camion qui passe devant. Et Loïc. Le crack shield. C'est un russe. Il est là dedans. Ok. J'ai l'impression que c'est il bug mon stream depuis que je sais pas. Il est là dedans t'as dit?
à l'intérieur. Mort. Putain, je me... Ouais, rage. On peut prendre des trous. Oh, waouh. Voilà, thune que t'as. Gros, gros, y'a moyen là. Fous je te prends Toréa. Ouais, ouais, prends Toréa, je prends un drone. Et puis Napo et puis Jackie, n'hésitez pas à partager. Je sais pas qui fait quoi, mais. De quoi tu parles? Prends Rodin. De la thune. Pour non, c'est un pas réellement remis d'accord, mais. Tiens, 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 tiens. vas-y, je prends un drone ici. J'envoie un drone. J'envoie le premier. Bah, je peux pas reprendre de drone, prends-en toi. Prends-en. Y'en a un qui va arriver ici, hein, si quelqu'un veut. Merci. Y'a une équipe de 4, y'a une équipe de 4 en bas. Ils viennent. Ils arrivent. Un à terre. Un rocher, au rocher là. What? Je suis réanimable derrière toi. Un à terre. Napo. Je le vois. C'est lui qui chante, c'est l'octet. À terre. Derrière le rocher à terre. Je fais pas de bruit parce que c'est Daron qui dort, je crois. Deux à terre. Les mecs qui gênent le sol ont été restés, j'imagine. Bien joué. Ah ouais, on est terriblement loin. Attends, on prend le top vite fait ou quoi pour... Allez-y. Si Penker va à deux. Non, vas-y. Les attends. Hélicoptère. Il a drop. Touché. Il avait pas de shield, hein. Il y en a qui est en train de sortir. Il va être open field. Ping. Deuxième mort, facile mort, on se reste. Garde le véhicule. Attends. Mort, est-ce qu'on peut y aller? Où ils sont? Ils vont arriver sur moi. Oh non, putain, pas de kill. J'arrive. J'ai pas assez pour le res. À terre. Mort. Donc faites gaffe, il y a beaucoup de monde ici. J'ai une frappe hein, au cas où. Est-ce que je vais prendre un drone vite fait ou je détecte pas. Je détecte pas donc ils ont pas. 37 mètres, je détecte. Deux mecs. Un crash break. Il est rentré là-dedans. 18 mètres. Il y en a deux hein. Y'en a un sur moi, ici. Chop, plus en qui celui-là. Quoi, t'as la droite? Frérot, il va me finir, mais what? Putain, non. Mais c'est quoi ce pauvre type, frère? Il est en train de se faire exécuter ses ancêtres, il me finit, quoi. Pas de kill si t'arrives à me res. Il va me res aussi, même Napo. Ah, y'a quelqu'un, attention. Attendez, y'en a un là où je suis. Ah, derrière. Ouais, fais gaffe. Tu sais, le rail où il y a le wagon PNK. Je peux pas passer de là. Comment on fait? C'est le camouflage de base sur Time. Comment t'as fait pour monter là, gros? Ouais, je crois que c'est le camouflage de base. Ok, super. Risez-nous, les gars, vous êtes à côté du shop. Il est ici, Napo. J'essaie d'y aller, gros, depuis tout à l'heure, frère. Ah, devant moi. Wipe, ah, c'est bon, vas-y, vous pouvez rester. Vas-y, tu peux me rester, s'il te plaît. C'est good. Prenez des drones et tout là, on peut bien. Ah ouais, prenez des drones et tout. Ouais. Débile. Jackie, avance pas trop. Vraiment, là on peut faire une putain de game, s'il te plaît, avance pas trop. Ok, c'est bon. Il y en a un qui est au top. Il est là-haut. À un moment, ils vont forcément drop. Je serai dans leur bac, ils auront gros, pas mais ils veulent quoi, frère? C'est ça ou pas que je suis là? On a pas notre place. Attends. À la terre. Ah, j'ai été patient. Le roi de la patience, c'est Jackie. Y'a du monde sur moi. Sur un certain 2000%. Qui t'autoréa, il a utilisé. Je pense qu'ils doivent être ici, quoi. Évitons de splitter, hein. Go les rejoindre.
T'as moi ta moulin à peau, je vais prendre un petit drone mon frérot, comme ça y'a tout le monde est bien, c'est la maison de y'a du monde là. Tiens. À terre. Touché. Je le termine. Oh dedans. Y'a du monde ici. On pourra jamais monter ici non. Si tu peux. Il faut que tu passes par le camion, là où on est passé. Ah là y'a un mec qui reste, c'est une frise. Ah y'a du monde. Après t'es décédé mon pote. Collez fumée les mecs au top. Il est une balle celui que. J'ai pile. Ah il est en train de venir dans la montagne, il est vers toi Napo. Il est à notre hauteur. C'est bon, tu l'as eu? Nice, t'es trop chaud mec. Ok, il y en a un qui est au top. Ah là sur les armes c'est la guérilla quand même. Okay. À terre, il y en a un à terre. Napo, t'es avec moi ou pas? Napo mon chéguer, réponds moi. Putain. Il est où, yo? J'ai mis tué de son. C'est pour moi. Putain, bah va y avoir du monde derrière nous. Il faut qu'on trace, hein. Il faut qu'on trace parce que j'ai mis à terre, la merde sur la bouche. Top, je l'ai mis à terre. Ok, nice. Let's go. Ça me permet d'avancer, c'était lourd. Y'a un mec juste devant moi. Mort. Il est toujours à la fenêtre, toujours à la fenêtre, celle de droite. What? Insane ce que j'ai mangé. Excuse-moi. Je suis à couvert, il me reste. Mets-toi aussi devant. Vas-y. J'ai mangé un truc. À couvert là? Ouais, t'es content. Ouais. Il m'a mis une belle dessin par contre. Travaillez bien en équipe. Ebder. Tu l'as vu hein, la fenêtre. Ouais, tu l'as vu. Ouais, il y en a un à la fenêtre, un à l'escalier à droite. Ah, il a été réel. Cachez-vous, attendez la prochaine zone. J'essaie de voir si je peux lui décalquer son front à lui. Ok, regardez où est la prochaine zone. Ouais, décale à gauche, décale à gauche, c'est bon. Vas-y, suis-moi. Tu l'as vu, non? Cachez-vous bien. T'inquiète, ça passe crème là. Je prends les classes. Vas-y. Comme ça, j'ai fantôme. Vas-y, moi j'y vais. Prenez de la hauteur. Soldat ennemi en approche. Break shield. J'ai peur, gros. Dis-moi. Why. Tu le vois, en face de toi, Napo. Tu vois les tirs. Ouais, bah je te jure, je vois les tirs, mais je le vois pas. Bien joué. Sur la tête de ma mère. Je le vois pas. Il est mort. Eh non, il est mort, c'est fini. Maintenant, ça va spawn devant vous. Ça va être devant vous maintenant. Ils sont deux, hein. Deux là-dedans au snipe. What? Oh, ils sont à 4. What? Ça va arriver vers nous. Ça passe à gauche. Tu l'as vu. Il pas crack shield. Y'en a qui prend la droite, il est à terre. Nice. Check la gauche, c'est la dernière team ou pas? C'est la dernière team. Non, il en reste. Il est break shield en face là. Ouais, mais je le vois pas sur la vie. Y'a un souci. Ouais, mais je le vois pas. Y'a un bug là, je peux pas tirer dessus derrière le dernier. À terre. Encore deux derrière. Ouais mais attends, fais attention derrière. Ils sont les deux en dessous, j'ai ton bac. Les deux là. J'ai plus de balles gros. Je suis là. Il est break shield. Je l'ai tué. J'ai plus de balles derrière. Derrière nous. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Mets-toi des plaques, Napo, des plaques. Ouais, je me mets des plaques, t'inquiète. Ça va spawn devant toi. T'as pu les finir les deux en bas gros. J'ai pas de balles gros, je peux pas me défendre. Non, t'es... En bas. Tu l'as. Je me suicide pour te donner l'info. Ils sont là derrière. Non, mais c'est 4, t'es dedans. Attention. Bien, ouais, yes, mon pote. GG, Napo. Ah, bien joué. Donc nous voici pour la conception de la classe, j'espère que le gameplay vous aura plu. Bon, on chuchotait un peu, je pense que vous avez compris qu'il était très tard, il était à l'heure actuelle 3h du matin, donc on ne pouvait pas vraiment se permettre de gueuler. En tout cas, au niveau de la M13, on va attaquer ça maintenant. Si t'as pas déjà lâché ton pouce bleu, je t'invite à le faire et à t'abonner si tu es nouveau. On attaque directement la première des choses par le silencieux monolithique. Vous êtes au courant que la portée des dégâts est super importante, surtout avec la M13. Il faut tout faire en sorte pour avoir une maximum de portée. Et justement, en parlant de portée, parce que sinon on va jamais y arriver, il faut donc porter celui-ci de canon, le Tempus Tireur d'élite.
C'est le meilleur, très clairement. C'est clairement le meilleur. Et ensuite, la dernière fois, je vous avais proposé, en l'occurrence, le viseur GI, donc le mini-viseur. Je vous avoue qu'avec le viseur et le fait qu'elle ne bouge pas avec la classe que j'ai réalisée, vous avez vraiment pas besoin et je vous recommande très fortement le Laser 5MW qui est vraiment parfait. Et en plus, le viseur d'origine est vraiment très stylé. En fait, je vais vraiment faire en sorte d'utiliser ma M13 comme si c'était une mitraillette. Et ça, c'est super important parce que le time to kill de la M13 est tellement incroyable, tout ce qui est corps à corps et mi-distance, que en fait, mon viseur, il sert pas à grand chose. Et puis, de toute façon, je peux quand même faire des dégâts à longue portée. Et sinon, bah, je sors mon sniper hein, parce que je joue M13 sniper et ça fait clairement le taf. Au niveau de l'accessoire de canon, je vais de nouveau jouer avec la poignée avant de mercenaire, il y en a d'autres qui jouent avec l'autre poignée, mais je vous avoue que moi je la préfère au niveau du contrôle du recul et de la précision du tir au jugé, comme si j'ai envie de l'utiliser comme si c'était une mitraillette au corps à corps, et ben franchement, ça en vaut clairement la peine, et au niveau des munitions, on se retrouve avec les 60 cartouches. Ensuite, petit truc assez important, au niveau des atouts, soit tu décides de mettre sans froid, soit tu décides de mettre des mineurs, c'est vraiment au choix là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment au choix, là sur le coup, bah, je préfère de plus en plus des mineurs. Fantôme, niveau du troisième atout, soit tu choisis tracker, soit tu choisis survolté, ça dépend également de ta secondaire si tu joues avec un RPG ou d'autres choses par rapport à tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve demain donc pour la saison 4 sur Call of Duty Modern Warfare. Ciao ciao tout le monde.